Are you ready? No! I said, are you ready? Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve sur le let's play de Luigi's Mansion. Donc pour l'épisode 7, donc dans le dernier épisode on avait affronté un boss qui était la combinaison de plusieurs bouts. Il y en avait une quinzaine à peu près. Dans ce boss, donc si vous regardez le compteur de boue en bas, il a beaucoup avancé. Ensuite, on a commencé à explorer le sous-sol. Hop, voilà. Et donc du coup, par contre, là, on est bloqué. Il nous manque les clés. Le rez-de-chaussée est fini. Le premier étage. On a eu la clé qui nous permet de débloquer l'endroit où on pouvait pas aller. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Histoire de boucler le premier étage également. Et on a, oui, je vais pas montrer, le deuxième étage, on a pas trop mal avancé aussi. Il reste trois pièces. Alors, donc là, la pièce du premier étage, on a eu la clé dans la chambre scellée qui se trouve au premier étage. Donc, pour y accéder, on est passé par le toit et on est tombé dans la cheminée. Ce qui nous a amené dans la pièce scellée. Et dans cette pièce, donc, on a eu de l'argent. Et on a eu une fameuse clé, donc c'est celle-là qu'on va aller utiliser. Donc je sais pas si c'est une clé obligatoire ou pas dans le jeu. Je suis assez curieux de savoir, donc on va regarder ça tout de suite. Je ne me rappelle pas du tout cette salle. J'en ai aucun souvenir. Je suis sûr d'y avoir été, parce que la chambre scellée, ça je m'en rappelle très bien. Mais ça je ne me rappelle pas. Ok, donc ça aussi. Donc ça on va pouvoir l'aspirer aussi. Alors, je dirais qu'il faut allumer. Viens là. Je dirais qu'il faut allumer une petite bougie ici. Voilà. Ouais. Alors, ils sont pas durs eux, mais ils sont bon nombre. Hop, viens là. Alors toi t'es en feu. Nickel. Et je pense que les prochains ça va être des feux. Ah non, même pas. Bah si, j'ai dû y aller parce que de toute façon il y a un bout ici. Donc bon, c'est ma mémoire qui me fait défaut. Hein. Dans le lustre, j'ai pas fait. Viens là, alors la nappe, je vais t'aspirer parce que tu vas me faire chier. Alors, ah non, j'ai oublié de faire un truc. C'est con, mais ouais, c'est toujours ça de prix. Alors, je veux. Non, mais j'ai l'impression que mon truc déconne des fois pour. Alors, ça se bouge pas, hein, visiblement. Bon, allez, on va le trouver lui. Bougre, je t'aime pas. Allez, viens là. Il va être galère, lui. Alors, ceux du deuxième étage vont être galère aussi parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de vie. Oh non. Oh non. Ah, me dis pas que t'es parti dans la chambre scellée. Ah, ouf. Ah, là, on aurait bien été emmerdé. C'est bon, tu viens. Nickel. Il nous en manque plus que 10, hein, mine de rien. Ça, le boss nous a beaucoup aidé. Hein, au fond. Il nous a pas mal aidé pour l'obtention des bouts. Alors, on a quoi ici? Ah oui, ça par contre, je m'en rappelle. La chambre à l'envers. Ah ouais. Ah oui, celle-là, je m'en rappelle par contre. Ne me réveillez pas. Partez. Alors, elle de mémoire, faut jouer avec ses jouets. Je mouillerai pas le lit, c'est promis. Ah bah, de toute façon, vu comment t'es installé, au pire, tu mouilles ton lit, ça va tomber par terre. Ça, tu vas mouiller le plafond. Alors, il me semble que toi, faut t'aspirer. Non? Mmh.
Et donc si on ressort, est-ce que ça va la remettre à l'endroit? Non. Comment fait-on déjà? Alors, elle a dit qu'elle mouillerait pas son lit. Alors, si on l'arrose, est-ce que ça va faire quelque chose? Hop. Alors, si je mouille ton lit, est-ce que ça va te déranger? Alors. Ah non, ça y a pas pu. Ah non, faut pas jouer avec ces jouets, c'est eux qui viennent nous attaquer. Alors, ton champignon, tu te gardes, stop, merci. Ah, à 11, vous avez vu, je me suis arrêté à 11, donc j'aurais pas la grosse paire. Bah tant pis, c'est pas grave. Ah, j'ai un peu le seum là quand même, j'avoue. Non, 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 barre-toi, toi. Je sais pas si je peux... Ouais, non, de toute façon, ils reviennent à chaque fois, donc c'est pas... Ça change rien. Petit craquage. Hop. Voilà. Bon, t'aurais pu... T'aurais pu rester, quand même. Voilà. Donc, c'est une zone obligatoire pour le 100%, forcément. Parce qu'on a... On a chopé un bout ici. Mais c'est pas une zone obligatoire pour terminer le jeu, parce que ça nous donne juste un coffre avec de l'argent. Ok. Un bon gros coffre, hein. Passage. Eux ils donnent pas mal les... ceux-là. Allez, on aspire tout ça. Bonita, ouais, viens là Bonita. Viens là. Sale manie, c'est de se barrer dans les autres pièces. Allez, voilà. Nickel. Bon, bah, premier étage complet, rez-de-chaussée complet. On va essayer de se faire le deuxième étage. Oh, mon cœur, pour ce qu'il y a. Ah, alors, il y a une plante à arroser, là. Je vais reprendre de l'eau. Ça, je l'ai pas vu tout à l'heure dans le noir. Hop. Alors. On va aller arroser notre ami la plante. Qu'as-tu de bois à nous donner? Un beau rubis bleu. Je prends. Alors. Bon bah on va aller on va se rendre au deuxième étage hein. Écoutez, en plus c'est sur le chemin, c'est ici. Alors là il y a du bout à choper en haut. Il y a pas mal de bout à attraper sachant qu'ils ont beaucoup de vie. Entre 200 et 300 donc ils sont assez cotons à attraper. En plus ils changent de pièce forcément. Quand ils vont pas dans le premier couloir ça va. Enfin, tant qu'ils vont pas en direction du premier couloir, ça va. On peut les rechoper assez facilement. Alors, par contre, je sais plus quelle clé on a eu. Ok, c'est ici. Non. Oh, cette pièce, c'est chiante. Toutes les armures. Alors, faut faire gaffe parce que voilà. Sinon, on prend la massue dans la tronche. Forcément, lui dit, il kiffe ça moyennement. Alors je pensais qu'il serait sorti directement de l'armure et pas nulle part en fait. Voilà, on va toutes les faire. Hop, non, non, je veux bien l'armure. Hop, voilà. Ça c'est fait. Oh, sûrement dans les coffres. Ouais, ok, bon, on va prendre. Hein. Hop.
je sais pas. Ouais, bah écoute, tu veux pas venir, je vais pas te... Voilà. Ah, tu t'es enfin posé. Ouais, je crois que je l'ai ramassé. Toi, tu viens là. Ah, un peu trop long. Merde, c'est pareil. Voilà. Est-ce que c'est le dernier de la salle? Non. Je pense que le dernier se trouve ici. Et j'ai tout faux. Alors, j'ai dû louper un coffre. Par là, non? Ah non, il y a une armure ici, j'ai pas faite. Avec un monsieur à banane, là. Alors, petite banane, tu t'es garde, t'es gentil. J'ai eu du bol là, c'était limite. Hein. Alors, il y a peut-être un ou deux bouts dans celui-là. C'est possible. Bouffy, chasseur de vent. Oh bah d'accord, lui, on a déjà foutu une tatane d'entrée. Alors, si je peux le descendre un peu. Oh, ok, donc là il s'est directement barré. Donc, on va aller le rechoper. Voilà, retourne là. Ok, donc là c'est pas grave. De toute façon, c'est là qu'on va aller après. Enfin, je pense, hein, ça suit sa logique. What? Pourquoi tu nous envoies au sous-sol? Ah bah la pièce est pas fermée, donc oui, on va y aller autant. Autant pour moi, on va y aller après. Bon, enfin, il aurait pu nous donner la clé d'ici quand même. Là. Du coup, on va devoir revenir au deuxième étage. Ok, donc là, on n'a plus rien. Ok, donc on va aller ici. Studio céramique. Et hey, toi, avec la moustache. Ouais, toi. Qu'est-ce que tu penses de ma collecte de peau? Elle est trop bien, hein. Une sacrée collection. Bien, bien, bien. Je peux pas te laisser les voir gratuitement. Non, je crois pas. Si tu veux voir mes peaux, il faut d'abord me défier. Ça me va. C'est parti, alors. Fais voir combien de fois tu peux me geler avec cette glace, gars. Si tu me gèles 7 fois, alors c'est gagné. Pigé? Mais si tu perds, mon pote, tu prends la porte directe, ok? Tu tiens le bon bout. Ok, déjà, besoin de ça. Ok. Je suis quand même pas dans l'ordre, si. J'en suis la logique, il va arriver ici, non? Fin de partie. Et les résultats sont... Tu m'as eu 7 fois, grrr. J'y crois pas, comment j'ai pu perdre? Pas possible. Tu m'as mis la honte, petit moustachu. T'aimerais peut-être finir dans un de ces pauvres? Ah. Oh. Oh non, les pots, ils vont... Allez, hop. Oh, bah... Je suis trop près de lui, en fait, c'est pour ça. Ouais. Les pots vont faire chier. J'arrive pas à le choper. Non, non, alors lui va être galère. Lui. Alors, en plus, j'ai les mains qui glissent sur le joystick. C'est juste infâme. Non, j'y vais un peu à l'arrache, hein, là, je vous avoue, parce que... Quoi que je fasse, l'aspire carottier. Voilà. Et donc là, on libère un coffre vert. Donc, on va déjà ramasser ça. Avec encore un bon gros diamant à l'intérieur.
ça fait toujours plaisir. Donc j'aimerais bien qu'on puisse finir les bouts ici parce que ils sont assez costauds. Comme ceux du sous-sol, hein, ils sont peut-être même plus costauds que les ceux du deuxième étage. Ok, bah mais écoute, merci, je m'attendais pas à ça, mais je prends. Non, c'est pas ça que je voulais. Du coup, je vais faire tous les pots, hein, parce que s'il cache de la thune dedans... Bouffy, je suis gros aussi. Oui, alors c'est toi que je voulais déjà terminer tout à l'heure. Pourquoi t'as pris... Ah. Armurerie, allez. Viens là. Non, non, tu restes là, te barre pas. Alors, fantastique Luigi, ouais, ok. Alors, on va retourner voir là-bas, parce qu'il en reste peut-être un. Ouais. Qui reste celui-là, initialement ici. Oui, oui, vas-y, on voit l'argent. Tambourin. Ok, tu commences bien. Et viens là. Ah, l'enflure. En reculant comme ça, on a tendance à le réattirer vers nous. Mais là, j'ai un peu merdé. Je préfère. Je préfère qu'il aille ici que de l'autre côté. Hop. Hop, alors. On va te finir, enfin si possible. Oh, il va être galère lui s'il fait ça. Bon allez, on va essayer de s'appliquer. Alors le choper dans le couloir, hein, c'est bien compliqué. Hein. Quoique 29 ça reste jouable. Voilà. Alors je l'ai orienté involontairement dans l'autre pièce. De toute façon, il va dans la direction opposée où on va, donc on se met on peut, entre guillemets, le contrôler. Voilà. Et on a fini la pièce. Voilà. Alors, on a quoi par là? Donc c'est cool, on a pas trop mal avancé. Je vais refaire les deux autres pièces parce qu'il me semble qu'on avait loupé un bout. Oh, peut-être qu'il est revenu. Ah, regardez. Ça reclignote. Walker, je veux bien. Ça reclignote. Boomerang, me revoilà. Alors, ce serait bien déjà que j'aspire du bon côté pour commencer. Putain, lui par contre il est costaud, hein. J'ai eu 300 PV, c'est énorme. Allez, un tir. Ok. Alors, je veux bien que tu retournes dans cette pièce-là, elle est assez grande, ça m'arrangerait. Voilà. Ah, ils sont taquins, ils aiment bien jouer. Hein. Voilà. Allez, go. Bientôt à la moitié de sa vie. Voilà. Donc là, il va réussir à se barrer. Hop. Et bien là. On va essayer de te finir là. Si possible. Ça me paraît très mal engagé. Forcément, il s'est barré. Alors, ça reclignote encore dans la salle. Alors, est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est vraiment un bout, mais... Je pense pas en avoir loupé un autre. Ah, quoique, peut-être de... Putain, t'es où? Peut-être celui-là de cette pièce-là, après tout. Ah, te barre pas, s'il te plaît. Ouais. Ok. Donc, on en a peut-être loupé plus que je pensais. Parce que ça clignote dans les deux pièces encore, alors que je viens d'en rechoper un. Non. Eh bah, vous voyez, l'acné c'est hier. Yeah. Donc lui je l'avais pas fait. Hein. Tant pis, on va le faire. Hein. Non 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 non. Oh.
Il en restera encore un ici. Je suis sceptique là quand même. Après vous allez me dire, j'en ai loupé quand même quelques-uns la dernière fois. C'est fort possible qu'ils se soient tous regroupés dans ce coin. Bah, moi je veux bien mais... Où est-ce qu'il est planqué là? Ok, le cœur. Bah. Je vais aller le choper parce que je me demande si c'est pas... Ah, vous voyez, tout à l'heure, ça clignotait encore quand... Quand je venais de choper l'autre. Voilà, il s'est barré. Ah, il s'est barré par où? Il s'est barré ici. On va le rechoper. Il est là. Non, là. Bouton, ouais, j'aime les spots. Viens là. Viens là. Non, non. Ouais, ça, forcément, ça devait arriver. Pour choisir où tu veux, écoute. À la limite, t'aurais pu aller sur le balcon, ça m'aurait bien arrangé, c'est bien dégagé. Ça aurait été peut-être pas plus mal dans le fond. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir t'avoir là? Ah, l'enfoiré, il en reste même pas 30. Allez. Laisse-moi abréger tes souffrances. Décidément, le couloir, c'est vraiment pas le bon endroit pour ça. Ok, alors. Je retournerai dans l'autre pièce où il y a les petits soldats mécaniques après. Vu que ça clignotait tout à l'heure. Même si je pense qu'il y a personne. Voilà. Eh, 45 sur 50, hein. Il y a vraiment plus grand chose à attraper. Donc, comme vous en doutez, ça sent aussi la fin du jeu. Là, on approche quand même assez rapidement à la fin du jeu. Bon, dans le fond, l'indicateur de boost, c'est à peu près révélateur de ce qu'il reste à faire. Est-ce que ça clignote? Non, ça clignote plus. Donc, en fait, tout à l'heure, je m'acharnais un peu pour rien, vu que il y avait plus de boue dans la salle. Je sais pas pourquoi ça clignotait, par contre. Alors... Je sais pas si vous avez fait attention ici tout à l'heure. Derrière la... Ici, là, on avait un miroir. Et donc, comme on doit aller au sous-sol... Alors, ouais, je veux bien que tu l'aspires, par contre. Voilà. On va prendre un petit raccourci. Voilà. Et donc, on va aller dans le sous-sol. Donc dans le sous-sol c'est pareil, hein, y en a un qui nous a échappé le dernier coup. Bon, c'est pas très très grave en soi. Hein. C'est où est-ce qu'il est. Là aussi il m'avait échappé je crois. Alors, des fois ils se remettent dans leur position dans leur salle d'origine. Donc c'est bien de les... Foiré. Non, je veux le ballon. Voilà. Bouffon. Alors par contre je sais pas s'ils repartent à zéro ou pas en vie. Je peux plus... Oh non, faut aspirer ça à chaque fois. Faut aspirer. Hein. Voilà. Et donc on a débloqué. Alors, voilà, donc bon, tant pis, on va essayer de le choper lui quand même. Oh, ils sont sérieux là. Oh, vous abusez un peu les mecs là.
Ok, donc. Ah si, y en a un là-bas. Faut le voir par contre. Hop, pile devant la porte. Je vais essayer de la voir lui, mais j'ai pas vu combien lui restait de vie. Ah, donc, du coup, il a pris le temps de se replanquer. Non. Bon, bah, il doit être dans les tonneaux ici, hein. Dans la table. Tu vas pas me dire qu'il s'est barré ici. Ce jeu est bizarre. 144. Si je pouvais le descendre à moins de 50, ce serait pas trop mal. Enfoiré. Bon, j'ai descendu à moins de 50. Objectif accompli, on va dire, entre guillemets. J'aurais pu le choper, ça aurait été encore mieux, mais bon. Voilà. Alors, stop, tu vas aller là-bas. Donc là, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la pièce là, la porte du fond, c'est la fameuse porte où on a vu Mario le dernier coup qui était enfermé dans le tableau. Donc on est proche du boss final là. Il est pas là le... Ah non, il est là. Mince. Hop. Je sais pas si je peux passer ici. Non. Je vais faire le tour. Bon, j'ai essayé de l'avoir du premier coup. Enfin, du premier coup. De le finir là. Alors. Ne me fais pas mentir, parce que tout à l'heure... Voilà. Nickel. 46. Donc il nous en reste vraiment plus beaucoup à choper. Allez, go. Donc on va aller voir la pièce qu'on n'a pas visitée. Ce serait quand même temps. Ça doit être elle. Non, non, toi, laisse-moi tranquille. Non, c'est pas elle. Ah, les bombes vont me... vont me bloquer un peu. Voilà, merci. Ouais, si tu veux, allez. Qu'est-ce que c'est que ce machin vert? Ok, donc j'ai pas pu en choper. Nickel, les deux d'un coup. Oh, le poisson, sérieux. Et toi, viens là. Alors l'autre, c'est bien, il s'est bloqué dans le décor. Ouais, bah c'était même pas voulu en plus. Le ballon, alors ça, voilà, c'est parce que je connais le jeu. Voilà, faut le geler. Et ça, il me semble qu'il faut l'arrêter, non? Ouais. Et on aurait bien une clé derrière, l'espèce de petite cascade derrière. Un coffre qui contient une clé. Voilà. Ah, la pièce d'après, elle est sympa, hein, vous allez voir. Je pense que c'est la pièce. Ouais, c'est bon. Et du coup, donc la prochaine clé, je pense qu'on va l'avoir, qu'elle nous mènera au deuxième étage. Pourquoi avoir fait ça comme ça, j'en ai strictement aucune idée. Mais bon. Je suis briefé. Ouais. Moi aussi, je suis briefé, tu sais. Bon, il a enlevé son, son point de vie, c'est pas négligeable. Voilà, merci, c'est exactement ce que je voulais. Ah, bah. Non, non, non.
il est parti dans la pièce d'à côté. Bon, c'est pas grave, on a la clé. Voilà. Alors, voilà. Ah, je pensais qu'il se serait planqué. Ah, elle est un peu ignoble cette pièce, hein. Ça glisse. Vous voyez, par contre, j'arrive pas à l'aspirer. Hein. Ah. Ah merde, oh, il va être chiant ici. Tant pis, on va faire ça comme ça. Oh, 40 points de vie, ça va, on l'a pas trop mal descendu. Hein. Oh. Alors là, pour... je sais pas pourquoi j'arrivais pas du tout à l'aspirer. Regardez. Bon, de toute façon, c'est ce que je voulais. J'arrive pas à l'aspirer ici, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une chambre froide? Est-ce que c'est parce que c'est éteint? Aucune idée, je peux pas du tout vous dire. Là. Voilà. Nickel, avec tout 3. Bah écoutez, je pense pas qu'on en a oublié. Oh, bah tant pis, j'ai encore loupé ce qu'il me dit lui. Je pense pas qu'on en ait loupé parce que si vous regardez. Oui, ok. Donc il en reste 2 ici et un en haut. Ouais, donc pour les bons, on est bon. On en a pas zappé. C'est nickel. Ok, donc on va se faire la salle là. Il me semble que c'est des patineurs ici. Donc en fait, on allume ça. On allume les espèces de feux de camp là. Ah non. J'étais à côté. Chaud, très chaud. Toi, c'est trop chaud. Je vais cuire dans cette chaleur. Ah, je fonds. C'est toi qui allumes ces feux? T'as quoi dans la tête? Les gars qui allument des feux dans ce manoir devaient être prêts à en payer le prix. Maintenant, apprends ta leçon. Je me rappelle pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Alors, est-ce qu'il faut l'attaquer? Visiblement, non. Alors, est-ce qu'il se fatigue tôt ou tard? On va le laisser un peu continuer, on va voir si... Par contre là je suis proche de toi donc je vais t'en foutre un coup. Donc le feu ne lui fait plus rien. Ouais. Oh, peut-être faire ramasser un pieu. Avant qu'il se brise par terre. Là, j'ai pas l'impression. Peut-être viser dans les tonneaux? Non, ça change rien. Ah, bon, bah en fait, fallait encore lui chauffer un peu la couenne. Ok. Toi, tu vas être un peu galère par contre à choper. Allez, je ramasse déjà tout ça. Ouais, mais c'est bon, j'ai compris comment t'avoir. On va l'avoir. Non! Dommage, j'aurais bien aimé le choper en 2 fois. Ouais, tu sais, pour ce qui te reste... Ouais, autant te rendre. Hein. Et on a une nouvelle clé qui va... sûrement nous débloquer la salle, dernière salle du 2e étage. Après, il est en train de glisser sur la glace. Ouais. Et donc on a encore un petit bout à choper. Enfin un petit, qui doit sûrement avoir 300 points de vie. Non, alors le ballon je te prends, parce que des fois quand j'aspire et que tu te mets là, ça me gêne. Pouk. Ouais, nickel. 150, Boulder Dash. Ça, ça me rappelle le nom d'un niveau de Crash Bandicoot, ça. Le 4e de mémoire. Avec une grosse boule qui nous roule après. Qui nous court pas, qui nous roule après.
Allez. Donc j'ai chopé le boula et puis on va se quitter après. Hein. On se gardera le dernier épisode pour le boss. Le prochain épisode pour le boss. Ok, t'es parti là. Non, donc tu vas aller ici, voilà. Donc celui-là sera peut-être un peu moins long que les autres. Mais bon, si je continue un peu, ça va être trop long. Et au moins le prochain épisode sera... Oh, t'abuses, sérieux. Moi, 17, j'aurais peut-être le choper. Et l'autre, comme ça, il sera plus long. On aura le boss, puis on aura une petite salle annexe à faire. Et je referai un tour des salles pour voir si j'ai pas loupé trop de diamants et tout ça. Mais je suis sûr que j'en ai loupé. Hein. Il y a des trucs, des petites astuces que j'ai dû zapper. Genre faire chauffer des trucs ou tout ça. Je suis sûr que j'en ai zappé, mais je les connais pas. Donc, je me rappelle que quand j'avais regardé le speedrun, le 100%, le mec avait fait des trucs que je ne connaissais pas. Mais je m'en rappelle plus. Je sais plus ce que c'est. Donc si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Allez, viens là. Voilà, 48 sur 50. Et voilà. Voilà, bah écoutez, hein, on va se laisser sur ce bout. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Pour très certainement le dernier épisode de la série. Voilà, donc bah je vous dis salut, salut, à la prochaine.